Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un haul variation créative. Je voulais vous montrer un petit peu ce que j'ai reçu dans mon colis de ce matin. J'ai profité donc de commander parce qu'il y avait un super code promo, ça s'appelait remise en cascade. J'ai profité donc de 25 euros de réduction sur mon panier puisqu'il atteignait plus de 120 euros. Et donc vraiment j'ai foncé parce que ça fait un petit moment que j'avais quelques tampons et autres dans le panier, mais j'attendais. Et voilà, donc je voulais vous dire que cette boutique est vraiment super, très sérieuse. C'est une boutique qu'on peut aller visiter, hein, en vrai. Heureusement, je ne suis pas près de variations créatives, sinon j'y passerai ma vie. Mais bon, en attendant, je commande sur Internet assez régulièrement. Et c'est vrai que la livraison est toujours super rapide et ils proposent toujours des super codes promo et puis un large choix de produits. Franchement, je me régale toujours de me balader sur cette boutique. Allez, on ouvre ensemble mon carton. Moi, je l'ai déjà ouvert, mais je voulais vous montrer un petit peu, pour que vous puissiez aussi en profiter. Alors, en premier, j'ai eu un petit tampon, donc un petit cadeau variation créative. Très, très sympa. Donc, il y a trois petits tampons. C'est les tampons du mois de mars. J'ai toujours des cadeaux, toujours des étiquettes, un marque-page, un petit tampon. Ils sont vraiment, vraiment, vraiment très gentils, super. Franchement, ça fait toujours plaisir. Donc, ça, c'est le petit cadeau. Ensuite, on va passer directement peut-être au Distress Oxide. Il me fallait des couleurs de Distress Oxide pour compléter ma collection. J'en avais déjà 30, il me semble. Et puis là, j'en ai commandé 9. Voilà. Donc, je voulais des couleurs un petit peu pastel. Donc là, j'ai choisi celle-ci, qui est un petit marron glacé, très très joli. Assez pâle, donc ça m'ira très très bien, surtout pour faire mes fonds de coloriage aussi. Je voulais quelque chose de pastel, donc j'ai choisi celle-ci. Dans les couleurs pastel, j'ai aussi choisi celle-ci, voilà, grise. Et puis en couleur pastel, un bleu comme ça, très joli, que je n'avais pas. La fameuse couleur qui vient de sortir, c'est la Kitsch Flamingo, une très belle couleur que j'ai déjà essayée ce matin, donc je l'ai déjà ouverte. C'est un joli rose, très très beau, vraiment superbe. Ensuite, dans les couleurs un petit peu plus vives, j'ai celle-ci, la Lucky Clover. Elle était en rupture de stock pendant très longtemps, donc j'ai profité de la prendre. La Dusty Concord que je n'avais pas encore, voilà. Et la Broken China. Donc voilà pour mes Distress Oxide. Franchement, j'agrandis ma collection parce que je les adore. Je m'en sers tout le temps, tout le temps. Pour mon art journal, pour la carterie, franchement, pour mon coloriage. J'adore faire les fonds au Distress Oxide. Donc franchement, je n'ai pas hésité et il me manque encore quelques couleurs. Donc au fur et à mesure, j'agrandis la collection. J'ai choisi de commander des tampons, donc on va commencer peut-être par celui-ci. Donc celui-ci, ça fait longtemps que je le voulais, donc j'en ai profité. C'est le superbe tampon de Florilège Design qui s'appelle Une Place Spéciale. Et franchement, il est très très beau, ça fait très longtemps que j'en avais envie. Donc là, j'ai craqué et je me le suis acheté. Ensuite, donc c'est pas forcément des collections récentes, mais j'ai choisi ces fleurs sublimes des ateliers de Karine. Il s'appelle Feuilles en détail et c'est de la collection intemporelle. Donc franchement, trop trop beau pour faire des fonds, pour embosser à chaud, ça doit être vraiment sublime. J'adore la finesse en fait, c'est très très beau. C'est très original, il me tardait de l'avoir, mais il a été en rupture de stock assez longtemps aussi. Donc maintenant... je l'ai, je suis vraiment ravie, il me tarde de m'en servir. Et maintenant, alors, qu'avons-nous? Nous avons les super tampons All & Create. Je n'ai pas commandé grand-chose de la nouvelle collection, j'ai choisi seulement celui-ci. Au vu des... Voilà, de la collection, franchement, des autres fruits, il y avait les légumes qui me plaisaient en fait, la grande planche, mais bon, j'ai préféré prendre les fruits, je pense que je m'en servirai davantage, mais j'ai longtemps hésité entre les deux.
Celle-ci était un peu moins chère en plus, donc voilà pour celle-ci qui est sublime pour l'art journal, la carterie, le scrap. Franchement, j'adore cet univers. Donc c'est la planche, hashtag 450. Donc ça, c'est la toute nouvelle collection qui vient de sortir. Par contre, les tampons sont vraiment très grands. Franchement, super taille. Des tampons très très grands, ce qui explique le prix aussi. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à se dire, ouh là là, c'est vraiment cher, mais là, quand je l'ai dans les mains, je comprends pourquoi en fait. De très grands tampons, donc normal. Ensuite, j'ai pris les petits insectes. J'avais envie d'insectes, donc j'ai pris celle-ci, avec la petite libellule aussi, qui est très très belle. Et puis là, la petite abeille. Donc j'aime beaucoup. Je vais travailler peut-être de façon un peu herbier, dans des petits carrés, je sais pas. J'avais vraiment envie de ça, et dans la même gamme, j'ai choisi. Peut-être ça va effrayer certains d'entre vous, mais j'ai choisi ces petites bébêtes-là. Donc j'adorais en plus avec le mot en dessous, là, la petite légende figure avec le numéro. Ça faisait vraiment expérience de laboratoire. Donc j'avais envie de faire voilà, des dessins avec ça et de l'art journal. Je trouvais ça très original. Donc j'ai pris ces petites bestioles. Voilà. On reste toujours dans la nature puisque là c'est une jolie fleur. Un petit peu esprit vintage. Donc j'aimais beaucoup. C'est un très beau tampon, regardez, il est vraiment très grand, vous voyez par rapport à ma main, c'est un tampon tout en longueur, il est sublime avec des petits timbres là, des petites écritures, sublime, encore plus beau de voir en vrai, franchement, là c'est l'iris, alors là super beau aussi, vous voyez toujours la taille des tampons, c'est quand même assez incroyable. Par rapport, mettons, à celui de Florilège, vous voyez, c'est des grands tampons quand même. Pour vous rendre compte, c'est à peu près, voilà, la planche, elle fait plus de 20 cm. Là. Et celui-ci, encore plus grand, on est sur 25 cm à mon avis. De très grands tampons, très très beaux pour l'art journal, pour faire des cartes pour le printemps, des cartes d'anniversaire. C'est vraiment sublime, pour la fête des mères, c'est très très beau. Donc vraiment une merveille, hein. C'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo pour vous présenter ces produits. Et puis alors là, je suis vraiment estomaquée par la taille. Vous voyez, ça rentre même pas dans, presque dans la caméra. Donc celle-ci, c'est une grande grande planche. C'est la planche numéro 386 qui s'appelle Ocean Wonders. Sublime, sublime. Donc là, avec ces poissons, avec les fleurs, ça me plaît vraiment. Le petit crabe là, la petite langoustine ou la langouste, les petits coquillages, enfin les petits. Regardez quand même la taille des tampons. Franchement, j'aurais pas cru que c'était aussi grand. C'est pour ça que je voulais partager avec vous. Oh, regardez comme c'est vraiment magnifique. Donc là, j'adore, pareil pour l'art journal, ça va être vraiment un plaisir de travailler avec ces tampons. Ils ont vraiment des designers super. Donc je n'ai pas pris de poupettes, parce que j'en ai assez, puis en plus c'est vrai que sur Etsy, là, j'ai téléchargé pas mal en achetant bien sûr, sur Veraland Studio, donc c'est la designer pour les poupettes de Holland Crate, et c'est vrai que j'en ai déjà pas mal. Et là, je voulais vraiment des tampons fleurs, des tampons de fond, donc des choses très originales. Donc, voilà pour cette commande chez Variation Créative. C'est une de mes plus belles au niveau des tampons All in Crate. Je suis vraiment super contente. Et puis, mes Distress, ça viendra bien compléter ma collection. Et puis, ce super tampon bois. Voilà, ben j'espère que vous avez pris du plaisir à regarder cette vidéo et puis à découvrir tous ces tampons de All in Crate qui sont vraiment sublimes. Les ateliers de Karine également sublimes aussi, mais bon, vous devez aussi certainement le connaître. Ce n'est pas forcément des tampons qui sont extrêmement récents, sauf celui-ci, hein, mais franchement, je tenais à partager tout ça avec vous. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et à bientôt.